Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition française de la chaîne nationale. Pour commencer, voici un communiqué venant de la présidence. Obsèque de son éminence, le cardinal Armand Gaëtan Razafnjatanj, journée de deuil national, vendredi 15 janvier 2010. Tous les services publics seront fermés toute la journée sur toute l'étendue du territoire de Madagascar. Quant aux entreprises privées, elles prendront les dispositions y afférentes selon leurs propres organisations. Étant une figure emblématique et un véritable Rayamajeng, non seulement des catholiques, mais aussi du peuple malgache tout entier. Par-delà son œuvre pastorale, le cardinal Armand Gaëtan Razafnjatanj a toujours voulu être aux côtés des plus humbles afin de donner l'exemple vivant du partage et du rapprochement. Le cardinal Razafnjatanj se singularise surtout par sa ferme détermination pour la sauvegarde des valeurs authentiquement malgaches. Ainsi, la journée du vendredi 15 janvier 2010 est déclarée journée de deuil national par le décret 2010-016 du 14 janvier 2010 en hommage à la disparition de son éminence le cardinal Armand Gaëtan Razafnjatanj. Par conséquent, tous les services publics seront fermés toute la journée sur toute l'étendue du territoire de Madagascar. Quant aux entreprises privées, elles prendront les dispositions y afférentes selon leurs propres organisations. Rappelons que les obsèques seront retransmises en direct sur les chaînes nationales pour que tout le peuple malgache puisse suivre le déroulement de cette occasion douloureuse. La présidence de la Haute Autorité de la Transition de Madagascar. Les actions du ministère de la Culture et du Patrimoine consistent à redorer le blason de la culture, préserver et valoriser le patrimoine malgache. Lors d'un point de presse au Model Anous, le ministre Gilbert Arrarzatouv a précisé quelques points essentiels pour la réalisation du projet établi par le ministère. C'est un reportage de Hirakut Malal sur les images de Lucien Giansou. Les objectifs fixés par le ministère de la Culture et du Patrimoine seraient de promouvoir la culture et les arts au profit du développement, mettre à disposition de la population des infrastructures culturelles, sauvegarder l'héritage culturel malgache, développer des échanges culturels, revaloriser les connaissances traditionnelles, redynamiser et moderniser la gestion de l'exploitation du patrimoine, renforcer les capacités des personnels techniques et scientifiques, mais créer des nouvelles infrastructures et de sites relevant du patrimoine. Pour cette année 2010, le ministre Gilbert Arrarzatouv a élaboré le planning d'activité du ministère de la Culture et du Patrimoine, telle la construction d'un théâtre de plage avec kiosque multifonctionnel à Thomas, le rapatriement des restes mortels des accompagnatrices de la reine Hanavalna III en Algérie, France, Suisse et les restes mortels des artistes célèbres Jérôme Rangi, Barzon, le lancement du projet Panthéon des grands hommes malgaches de l'art, de la culture et de la science, et surtout la construction d'une salle de spectacle de 12 000 places, ainsi que la construction d'un musée pour Philbert Sramen. Ces activités entrent surtout dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Sous le haut patronage du ministère de la Culture et du Patrimoine, l'association malgache pour la promotion de la science et Tan Masn ont le plaisir de vous inviter à observer l'éclipse solaire annulaire du vendredi 15 janvier 2010. Observatoire Astro, Ankadi Efadzuru Andwaranfuts, mise en place à partir de 8 h, lunettes nécessaires. L'opération du task force se poursuit. Des mesures fermes ont été prises par le ministère de l'Environnement et des Forêts pour sécuriser les parcs protégés. Une conférence de presse s'est tenue ce matin au siège du ministère à Ntsavula. Reportage sur les images de Rodriguez Zafmal. Récemment, le bois de rose incite tant de polémiques. En ce moment, le task force, une cellule interministérielle, arrive à sécuriser les parcs protégés. Selon Rangiamian Soukalist, ministre de l'Environnement et des Forêts, depuis le 30 novembre, le ministère a suspendu l'agrément concernant le bois de rose. Il a interdit formellement de couper les bois précieux. Seuls les opérateurs économiques qui ont réglé leurs amendes et redevances ont droit à l'exportation des conteneurs. Le task force travaille jour et nuit. Grâce à leurs efforts, le parc national est bien protégé.
continuer la réhabilitation des maisons des jeunes, organiser des salons pour les jeunes dans tout Madagascar, inciter les jeunes à participer aux élections législatives et organiser diverses manifestations pour marquer le 50e anniversaire de l'indépendance du pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre Serge Ranève lors du traditionnel échange de vœux à l'espace exotique Yavlou hier. Place aux jeunes, tel est l'objectif du ministère de la Jeunesse et des Loisirs. Pour parvenir, différents projets sont au programme pour cette année 2010. Écoutons les explications du ministre Serge Ranève lors de la présentation des vœux. Le ministère de la Jeunesse et des Loisirs, par rapport à son programme, va surtout axer ses priorités sur la réhabilitation de 12 maisons des jeunes qui servent d'infrastructure et aussi de base pour un développement pour les jeunes. Ça sera vraiment une politique de proximité et par rapport à ça, nous allons aussi développer le partenariat public-privé pour essayer d'augmenter le nombre des maisons des jeunes, à essayer de les développer dans les 22 régions de Madagascar. En gros, ça se résume sur la réhabilitation de ces maisons des jeunes-là. Mais en plus, il y a les actions dérivées, comme on dit, par rapport à la recherche de partenariats, par exemple avec les îles sœurs, notamment l'île de la Réunion, ou aussi de travailler avec des jeunes malgaches qui sont basés à l'étranger, notamment en France et aussi en Angleterre. Et on va aussi essayer d'élargir les partenaires, pas uniquement au niveau des pays francophones, mais aussi d'autres pays qui peuvent aussi nous aider dans le développement de la jeunesse et aussi des loisirs. Et notamment par rapport aux loisirs, nous allons aussi essayer aussi de créer des loisirs sains, parce que nous savons très bien pertinemment que les jeunes malgaches sont en manque de distraction. Et donc nous allons essayer avec les partenariats public-privé, mais aussi si nous avons un peu plus de budget, créer des parcs de loisirs pilotes. Et après, durant la prochaine 4e République, on va se baser aussi sur les loisirs qui sont source de développement et source de rentrée d'argent aussi. Le ministère a pour mission l'autonomisation de la jeunesse et surtout aider les jeunes à prendre leurs responsabilités. L'année dernière, les objectifs fixés par le ministère consistaient à la création de la maison des jeunes à Mboust, la SRA ou santé de la reproduction des adolescents, le FIJ ou le fonds d'insertion des jeunes et le EHTP ou la lutte contre l'esclavage humain et le trafic de personnes et récemment l'organisation du salon de la jeunesse au palais des sports. Tous ces projets ont été merveilleusement atteints.